Un beau bonjour à toutes et tous, voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 29, Réel. Cet ange est la face, l'aspect solaire de Yézédiel, Jupiter, et le texte traditionnel nous dit qu'il domine sur le sentiment religieux et qu'il établit une tête de pont dans la conscience de ses protégés, qui ainsi entendent la voix qui vient d'en haut. Donc, la personne pourra établir un lien indestructible avec la puissance de son ange gardien. Sa conscience lui indiquera à tout moment ce qu'elle doit faire pour réussir, même si elle ne peut pas en donner les raisons. Cet ange lui apportera directement le savoir supérieur, lui fera voir l'ordre parfait, possible, qu'il existe en toute chose. C'est-à-dire qu'elle sera armée pour lutter contre les ennemis de la religion, comme précise le texte traditionnel, en voulant dire contre ceux qui s'opposent au véritable sens de la loi naturelle. Prière à l'ange Réel. Ange Réel, tu m'as choisi pour être le véhicule de ton Verbe. Veille donc à ce que mon âme soit claire et pure afin de bien manifester ta pensée. Lave les impuretés, les obstacles que ma personnalité mortelle interpose pour que le flot de ta lumière coule librement, abondamment. Libère-moi des ennemis qui souhaitent me détourner de mon but et des amis qui me retiennent prisonnier des fausses valeurs à la mode. Procure-moi un logement où pouvoir méditer en même temps que mener une vie normale. Remplis-moi d'enthousiasme et de zèle pour propager ce que mon ego entrevoit. Ne permets pas que, par ma conduite, je trahisse ce que tu me fais proclamer. Encourage en moi, Réel, un désir ardent de me dévouer, de rendre service. Je veux être l'un des dispensateurs des vertus, dons et pouvoirs de ta main droite. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guide chacun de mes pas.